Je suis Bernard Deloupi, écrivain niçois. J'ai écrit 14 livres et je suis ici pour vous inciter à participer à la prochaine réunion, la prochaine conférence de l'OMCNC qui aura lieu donc au CHU, à la salle de conférence Le Galais. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi un écrivain se retrouve dans une conférence scientifique avec des médecins, des personnels de santé pour parler de l'addiction? Eh bien, en fait, il se trouve que mon dernier livre, pour l'occasion de mon dernier livre, puisque j'écris notamment des romans policiers sur la Côte d'Azur et des thrillers, et dans mon dernier, j'ai rencontré un personnage qui est en fait qui a été le principal joueur de jeux d'argent en France. Il se trouve que c'est un Niçois, donc jeux d'argent aussi bien au casino, mais qui, pendant la crise de la Covid, s'est retrouvé chez lui, a tourné en rond et qui donc a été sollicité par les marchands, puisque les marchands d'addiction sont nombreux et très inventifs et ils développent un marketing extrêmement puissant, notamment en ce qui concerne les paris en ligne. Donc, dans ce livre, qui s'appelle Addiction, comme vous pouvez le voir, et qui a été préfacé par le docteur Fared Chéric, qui est le chef du service d'addictologie au CHU de Nice. Dans ce livre, je raconte donc la descente aux enfers de cet homme, ce jeune homme, qui a. Donc, c'est une histoire assez incroyable, puisque finalement, il a réussi à ruiner sa famille, à ruiner sa compagne, à mettre en péril la vie de ses enfants, à ruiner également tous ses amis, ses proches, et finalement dans une descente aux enfers où il a commencé à mettre en péril son entreprise, à chercher donc des moyens pour nourrir cette addiction auprès de gens de moins en moins recommandables jusqu'à toucher totalement le fond. Mais ce qui est magnifique, c'est que j'ai raconté également sa remontée, sa résilience et la façon dont il a remonté cette pente grâce à l'aide de son médecin, d'addictologue, de psychiatre, beaucoup d'amour, bien sûr, autour de lui, l'aide d'amis et l'aide de thérapies non conventionnelles et de médecine intégrative qui l'ont réellement permis de remonter cette pente. Alors, pourquoi je pense que ça peut vous intéresser de venir? Parce que les addictions sont certainement l'un des fléaux les plus graves qui touchent la société contemporaine, et je pèse mes mots. Et notamment l'addiction aux jeux d'argent et aux paris sportifs en ligne, qui sont une véritable bombe à retardement. Je pèse encore mes mots, puisque je suis journaliste de profession et j'ai mené une enquête là-dessus. Et je peux vous dire que c'est une bombe à retardement dont on n'a pas encore pris véritablement conscience dans le grand public, puisque durant cette crise de Covid, les gens qui avaient cette faiblesse, qui étaient prêts à se livrer à toutes les addictions, se sont retrouvés confrontés à une offre considérable et une facilité de jeu, justement, sans être forcément obligés de présenter leur carte d'identité pour prouver qu'ils étaient mineurs, sans forcément que tout ce que l'État français a mis en œuvre pour empêcher les gens de pouvoir jouer en présentiel, hein, dans les casinos et les machines à sous pouvaient se mettre en marche. L'inventivité des marchands, on le disait tout à l'heure, a été extraordinaire pour aider cette population avec des campagnes de marketing extrêmement agressives, extrêmement alléchantes. Et les cabinets de psychiatres et d'addictologues sont aujourd'hui remplis par cette population, donc qui pose un réel problème de santé publique, psychique et détournement de fonds aussi, qui aurait pu être utilisé à autre chose, de dégradation des familles, des relations sociales, des relations amicales, professionnelles. Voilà. Donc je vous incite très fortement à assister à cette conférence dans laquelle vous aurez donc le docteur Fared Chéric, qui est chef du service d'addictologie du CHU et qui a eu l'amabilité donc de préfacer ce livre qui sera présent bien entendu et sous la présidence donc de docteur Véronique Mondin et en présence d'un certain nombre de médecins et de thérapeutes en médecine douce ou de thérapeutes généralistes qui viendront présenter leur expérience. Donc je vous attends lors de cette conférence avec grand plaisir. Surtout, n'oubliez pas, donc tous unis contre l'addiction.